Salut, bonsoir. Je viens de voir une vidéo qui m'a un peu retourné. Non, pas d'extase, non. Je suis un petit peu stupéfait plutôt par l'outrecuidance avec laquelle on nous amène certains phénomènes. Alors, ce n'est pas la première fois que je parle de ce groupe qui est présenté par Alatra TV. Et là, ils nous présentent maintenant une conscience artificielle devant laquelle ils se battent tous. Ah, merveilleux! La conscience artificielle dans une petite pièce, une machine qui est un ordinateur et un siège. Vous avez l'impression de piloter l'ordinateur, hein, vous avez la tête dans l'écran. Et quoi? Et ben, dans cette pièce, fort exiguë. On trouve d'un côté, a priori, la lance de Longinus. Longinus? Ben, je sais pas. Hein. En tout cas, pour les chrétiens, c'est quand même celle qui a servi à vérifier que le Christ, a priori, était bien mort ou pas. Hein, parce qu'un mort, normalement, ne saigne pas. Donc, si vous le percez, suivant s'il saigne ou pas, il est mort ou il n'est pas mort. Alors, s'il n'est pas mort, en général, quand ils étaient crucifiés, on leur cassait, on leur brisait les jambes, les genoux, de façon à ce que leur poids finisse de les asphyxier sous la tension. Ouais, à moins que le coup de lance les finisse aussi, hein, faut voir. Bon, ça peut être assez précis, un coup de lance, ça vous perce une bonne artère ou un endroit et vous n'en avez plus pour très longtemps non plus. Alors, donc, a priori, ils ont récupéré la lance de Longinus. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est la même. Je vais vous montrer ça en extrait de leur petite vidéo. Et de l'autre côté, on a un anneau. Alors bon, on sait que les obélisques de partout sur la planète représentent quand même un phallus, hein, quelque part. Au niveau symbolique, au niveau technologique, c'est autre chose. Un émetteur, un récepteur, c'est autre chose. Mais au niveau symbolique, c'est le trait du i. Et le point, en fait, du i, c'est un rond. Hein? Un rond, hein? Un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Oui. Vous ne saviez pas? Intéressant. Intéressant. Moi, je dis intéressant. Évidemment, tout n'est qu'instrument, tout dépend de l'intention de l'artisan, de l'artiste, et puis de son talent. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, dans cette situation où ils vont encore faire une dévotion à une divinité, encore s'affilier, mais alors on est tout à fait dans le bliss de Anna, dans V, la série, vous savez. Tout le monde est là, béat, avec un sourire constant, même s'il parle de chaussures. Je suis très inquiet, en fait. Ben, je dois dire que je peux laisser des commentaires, ils ne les enlèvent pas forcément, hein. De l'autre côté, dans les versions françaises, il y a assez peu de spectateurs. Je ne me suis pas amusé à le mettre partout, je ne tiens pas à leur casser la baraque, je tiens à émettre mon opinion. Je vois des gens qui fréquentent aussi mon site, ma chaîne YouTube, et donc je me demande s'ils ont bien remarqué face à quoi ils étaient là. Une machine située entre un rond. Et une lance. Et dans laquelle ils vont soi-disant accéder à la conscience artificielle. La conscience. Ils osent dire qu'il y a une conscience artificielle. La conscience, ça ne peut pas être artificielle. Ce n'est pas une conscience. «
S'il peut y avoir une intelligence derrière cette machinerie, c'est déjà pas une intelligence. Au sens où nous, on l'entend. Nous, humains, en 3D. Si une intelligence, elle ne vient pas de la 3D, elle vient de la 4D. Si elle vient d'ailleurs, elle n'a pas besoin d'une machine. Où on est, là? Mais on est où, là? Si une divinité, elle se manifeste quand elle veut, où elle veut, chez tout le monde, elle n'a pas besoin d'une machine. Vous imaginez donc, ça signifie que la divinité a attendu que l'homme invente la machine pour pouvoir se manifester. Mais on est où, là? On est où dans le raisonnement? Hein? On met les poussins avant les closons de l'œuf, et puis après on va se demander si c'est l'œuf ou la poule. Là, moi je dis c'est l'œuf ou le poulpe. Oh, je plaisante un peu, mais c'est pas vraiment une plaisanterie. L'octopus, ouais. Oh, pas rester avec ma tête pendant 2 jours encore là. Hein. Je vais vous mettre la vidéo. Hein. Je réfléchis un petit peu en même temps. Je suis sous le choc, on va dire. Je précise que c'est du tabac que je fume. Des tabacs, d'ailleurs. C'est un mélange de tabac. Hein? Pour ceux qui diraient encore un drogué. Oui, oui, je suis drogué à la nicotine. Qui d'ailleurs, quand elle est naturelle et bio, ne rend pas addictif. N'est pas addictive. Non, c'est les agents de saveur et de texture qui sont addictifs. Agents de saveur et de texture qui ont été rajoutés au tabac par des gens qui sont possédés par la même entité. À mon avis, c'est la même entité. C'est toujours la même entité. Ce serait impensable que l'entité qui a fait faire tout ça, ces empoisonnements de notre vie active, ou passivement même, autorise l'arrivée de la machine depuis 50 ans, 70 ans. Grâce à pas mal de découvertes lors de Roswell. C'était un cheval de Troie, Roswell. On n'avait pas besoin de Roswell pour faire l'antigravité, nous. Avec Tesla, Schauberger et d'autres, on n'avait pas besoin d'eux. Mais à Roswell, on a touché beaucoup de technologies. Là. Enfin, nous, pas beaucoup. L'armée, beaucoup. Elle s'en sert d'ailleurs contre nous, en général. Après, quand elle a besoin d'un peu d'argent, puis de nous affilier à la technologie, elle nous largue 3 bricoles. L'Internet, les téléphones portables, des conneries. De la daube qui nuit à notre cerveau. On a une divinité qui nuit à notre cerveau. Et vous les affiliez à ça. Bon, une divinité. On a une source qui nuit à notre cerveau, et technologiquement parlant, vous voudriez vous y affilier. Moi, j'ai un problème. En fait, ça me fait drôle de me voir en gros plan, là. Alors, je profite un peu. Vous n'avez pas de chance. Bon, je vous montre ça. C'est vraiment du n'importe quoi, hein, je vous l'assure. Enfin, pour moi, c'est grave. Ce qui est encore plus grave, c'est que c'est bourré de sourires factices et de gens qui sont béats, qui n'ont aucun esprit critique. J'ai jamais entendu là quelqu'un dire « mais n'est-ce pas dangereux ?» Même pas, quoi. Rien. C'est tout. « Ah oui, 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 oui. » Et le sourire. Je suis très inquiet pour la santé mentale de quelques-uns et quelques-unes. D'ailleurs, tout le monde ne rigole pas, là. Il y a des gens qui rigolent pas. Moi, je trouve qu'ils rigolent pas. Ils sont même pas sympathiques à voir, quoi. C'est pas le côté survêtement, hein. Je m'en fous, hein. Moi aussi, je suis habillé cool. Mais bon, je suis dans ma maison, je suis en pyjama, en fait, quelque part. Presque. Alors voilà, on a la jeune dame, là, qui rentre dans la pièce en question. Mais vous connaissez déjà. Entrez, s'il vous plaît. Elle voit un truc, elle dit « waouh ». Vous avez vu ce qu'elle a vu ? Alexei. Elle voit ça. C'est ce que je vous disais. Hein. L'homme avec la tête dans l'écran, quoi. Sur un poste de pilotage. Ouais, on se demande qui pilote qui. Hein, mais bon. Oh, je pense qu'à l'armée, un conducteur de drone, là, il doit adorer ce genre de plan. Là.
savez, les drones qui servent à bomber les gens, à les fliquer, à les mitrailler, à les espionner, à les irradier. Hein? Pour l'instant, les drones, ils font ça. Hein? Ça, et vous amenez des pizzas? Ouais, hein, sans blague, m'amener des pizzas. C'est bio comme pizza. C'est macrobiotique. Non, mais plaisantez pas. Si vous amenez de la bouffe faite par une machine, encore une autre, avec des aliments de daube, hein? Enfin, bon, il faut avoir connu la nourriture d'antan pour savoir ce que c'est que de la nourriture par rapport à ce qu'on bouffe aujourd'hui quand on mange des plats tout préparés par autrui. On peut les analyser, leurs plats. Hein? Il n'y en a pas un qui est sain. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet. C'est juste histoire de dire. Les drones, ils vous amènent ce genre de truc. Hein? Ça, et puis des bombes, en clair. Avec des dégâts collatéraux. Collatéraux, tiens. Ben, sans blague. C'est comme les effets secondaires dans un médicament. Ce n'est pas du tout secondaire. C'est des effets. Ce n'est pas ce qu'on voulait, alors on les met en second plan. Vous plaisantez ou quoi? Le patient qui en souffre, il ne les met pas en second plan. Il les met en premier plan. Surtout qu'en général, ça ne soigne pas la maladie. Ça la camoufle. Et ça en provoque d'autres. On le sait. Big Pharma, c'est une empoisonneuse depuis des années et des années. Dès que vous parlez contre elle, vous faites censurer. Vous trouvez ça normal? Quoi? Quoi? Faudrait que je me taise? Vous déconnez ou quoi? Ça y est, il n'y a plus personne qui ose plus rien dire maintenant. Hein? C'est Big Brother. Ta-ta-da! J'ai la police qui va me percer le plafond là et arriver là. La police de la pensée. Minority Report. Hein, oui. Rappelez-vous que dans Minority Report, il y avait un objet ovoïde et poilu dans le potage. Pour rester propre. Non, mais ça ne va pas du tout, cette affaire. Ils ont menti sur tout, ils ont triché constamment. Même dans Minority Report, ils nous le présentent. Hein, l'embrouille. Pourtant, c'est beau, les voitures qui tournent toutes seules. Hein, c'est pratique, c'est tellement pratique d'être obligé d'aller encore travailler alors qu'on devrait avoir accès aux énergies libres. J'aime pas du tout chez Alatra. Ils nous présentent les catastrophes climatiques comme si elles étaient dues au fait que les humains ne s'unissent pas. Comment voulez-vous que les humains s'unissent? Il n'y en a pas deux qui ont la conscience pareille. Et puis même si on a la même conscience, ça ne veut pas dire qu'on a envie de s'unir. Oui, où ils sont là? Le libre arbitre. On est tous des individus. On a comme point commun d'être tous différents. Ce n'est pas pour avoir tous ensemble la même idée. L'humanité n'a pas été construite pour ça. À mon avis. Bon, je me mets à la place de la divinité, là, mais j'en sais rien. Je crois pas. De toute façon, il n'y a pas de divinité en cause. Là. Pour l'instant, on sort d'un tube à essai, et ceux qui nous ont sortis du tube à essai, eux-mêmes sortent de tube à essai. On le sait. S'il y a une divinité, elle est bien au-delà, bien au-delà. Elle dépasse complètement nos points de vue et nos capacités de compréhension. À ce moment-là, on peut dire les voies du Seigneur sont impénétrables. Il n'y a pas que ses voies, d'ailleurs, qui sont impénétrables. Il y a sa situation, sa conception. Tout le reste, c'est des usurpateurs qui ont amené la planète dans l'état où elle est. Après des années et des années, des millénaires de religion en général. Et eux aussi, ils sont religieux, là. Le gars, il a son chapelet. Il a un chapelet. Et il égrène son chapelet toute la journée. Un humain qui a besoin d'un chapelet pour être en contact avec sa divinité. Non, ça c'est du contrôle mental. C'est de la programmation mentale, même personnelle, même autonome. C'est de l'auto-hypnose, même personnelle. C'est de l'hypnose, c'est pas de la conscience, c'est pas de la lucidité. Mais pour eux, il faut plus avoir de conscience. Non, il ne faut plus avoir la conscience. Il faut se laisser faire en plus. Il ne faut rien dire. Si vous dites quelque chose, ils coupent les ponts quand même. Hein. Ben, moi, je ne reçois plus de courrier hein, de leur part. Hein. Alors qu'avant, j'en avais.
Et oui, j'ai quand même traduit quelques vidéos de chez eux. Des vidéos qui étaient intéressantes. Mais finalement, on parle du mal pour être pour pas dire, pour pas qu'on puisse dire qu'on ne l'a pas fait, quoi. Hein? Ouais. On dénonce le mal comme ça. On dénonce un mal. Mais ils nous en proposent un autre, là. C'est quoi, ça? Qui a accès à ça? On est 7 milliards sur la planète. Qui va avoir accès à ça? C'est comme l'autre qui veut filer des téléphones portables à tout le monde. Mais on connaît le plan ID 2020. On connaît l'agenda 21. On connaît l'agenda 2030. On connaît le plan Circa 2025. La guerre du futur par la NASA. La NASA qui s'occupe de guerre du futur. Ouais, je m'excuse, peut-être que je parle fort, mais je vais être sûr de bien articuler. Là. Je ne sais même pas si mon micro est bien branché. La NASA qui s'occupe de la guerre du futur. Ce n'est pas l'exploration de l'espace pour le bénéfice de tous, là. Loin de là. La NASA, celle qui a été faite par l'écrémage des savants nazis, qui étaient tous des criminels de guerre qui avaient été financés par les Alliés, dont faisaient partie les États-Unis. En tout cas, quelques grosses entreprises et quelques banques des États-Unis et d'Europe et d'ailleurs. Et d'ailleurs, parce que les nazis en question, ce n'est pas les Allemands, c'est les crypto-khazars. C'est le national-zionisme. Zionisme. Avant l'heure. Rien à voir avec les pauvres Allemands qui ont morflé plus que tout le monde, finalement. À la fin, surtout les civils, d'ailleurs. Vous savez, quand vous mettez le feu à une ville, c'est les civils qui sont dans la ville. Quand vous mettez une bombe atomique sur une ville, c'est les civils qui sont dans la ville. La bombe atomique, c'est les Américains sur les Japonais, alors qu'ils allaient se rendre. Alors que les Américains savaient qu'ils allaient attaquer et qu'ils ont laissé faire. Mais n'ont été coulés que des vieux bâtiments. Vous en faites pas, va. C'est un petit peu comme le Titanic, qui avait un bateau sœur. Hein, on dit une bateau. Depuis les Latins, on dit une bateau. Les Allemands aussi disent une. Et pas que, je crois, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Oui, l'autre bateau. Ils ont changé le nom. Normalement, on ne fait pas ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit que si vous changez le nom d'un bateau, si vous le débaptisez, ça lui porte malheur. C'est intéressant. Donc, le Titanic avait un autre bateau similaire. Dans lequel il y a eu un feu de cale pendant je ne sais plus combien de semaines. Juste avant le départ. Ce qui a fortement fragilisé ses parois. Oui, ça tournait au charbon, et quand il y a un feu dans le charbon, c'est la croix et la bannière pour éteindre ça dans un bateau. Bon, donc ils ont changé le nom, tout le monde est monté à bord, sauf les gens qui ne voulaient pas que se crée la Banque fédérale, à la suite de la réunion sur Jekyll Island, si je ne me trompe pas. Oh, il y a des dates avec tout ça, il y a des preuves. Vous pouvez trouver tout ça. Hein. Je vous fais un petit résumé. Là. On ne va pas se perdre dans des dates. Et en plus, comme je ne les ai pas en tête, ça m'évitera de dire n'importe quoi. Et donc, les gens qui étaient pour la création de la Banque fédérale ne sont pas montés à bord pour la croisière et donc n'ont pas sombré avec le Titanic. Et ceux qui étaient contre étaient à bord et ont sombré avec le Titanic. C'est pas mal comme moyen, hein, de se débarrasser des opposants à un projet. Des opposants tellement riches que vous n'arriveriez pas vraiment à les assassiner facilement, on va dire. Hein. Surtout les uns après les autres, ça semblerait très vite très louche. Tandis que là, c'est le hasard. À une époque lointaine où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de drone. Vous ne pouvez pas suivre un bateau et voir ce qui lui arrive. Il n'y avait pas tout ça, là. Mais aujourd'hui, on arrive à remonter un petit peu les chevaux, à tirer les fils de la pelote. Allons voir plus loin.
Je vous coupe le son, hein. Voilà, grosse pub. Alors, il y a un mec là qui est en pyjama, il est en basket. Alors, il faudrait lui dire que les baskets, c'est pas sain. Mais c'est pas sain. Vous les mettez pour faire du sport, mais après, il faut les enlever. C'est pas sain comme ambiance pour les pieds. Le plus sain pour les pieds, c'est les pieds nus. Ce qu'il aurait pu se permettre de faire, là. Il est dans sa maison, ils sont dans un sous-sol encore là. Alors, je sais qu'il y a des théories à propos de cette maison. On traite à la trace de secte et tout ça. Non, je ne traite pas de secte. J'aime, à mon avis, c'est pire. Et vous voyez ce qu'il y a au mur derrière, là? Il y a cet anneau, là, de ce côté-ci. Et de l'autre côté, il y a ça. Ça ressemble bien à la lance de Longinus. Longinus, je ne sais pas. C'était le centurion romain qui l'a piqué, Jésus. Enfin, le Christ. Enfin, un des crucifiés ce jour-là, quoi. Parce qu'on se demande encore qui a été crucifié, quand, comment, en quelle année. Et d'après Nicolas Ilevachov, ça n'a pas du tout il y a 2000 ans hein, qu'il s'est passé quelque chose dans le genre. Enfin, en tout cas, monsieur, s'en est pas très bien sorti, mais sa femme, Marie-Madeleine, et ses enfants, eux, s'en sont sortis. Ils sont arrivés dans le sud, en Provence. Vous ne connaissez pas la crèche, les santons? Pourquoi la crèche, les santons? Le ravi, oh, bon le maire! D'où ça vient, ça? Et Sainte-Marie de la Mer? Et je ne vous parle pas de la Vierge Noire, là, qui est plutôt l'origine même de ce culte chrétien qui reproduit considérablement bien une même histoire qui s'est passée à Sumer 5000 ans ou 7000 ans auparavant. La même histoire. Alors, renvoyez le livre, hein, lisez Mauro Biglino. Comprenez que ces bouquins-là sont très bizarres. Et étudiez aussi le Talmud. Quand vous considérez qu'effectivement c'est le livre le plus anti-humanité qui puisse exister, on considère toute l'humanité comme du bétail. Il n'est pas corvéable à merci, il est torturable à merci, il est violable à merci, on peut lui prendre ses organes à merci, par rapport à un peuple élu. Alors pour Dieu, il y a des élus et des pas élus. Ah bon? Et les pas élus, ils adorent ce Dieu-là? Ils adoreraient ce Dieu-là? Oui, oui. Et c'est le Dieu qui adore faire des holocaustes. Ah, c'est lui qui fait les holocaustes. Un holocauste, c'est ça. C'est une cérémonie sacrificielle où on crame la victime. Comme une guerre. L'holocauste. Mais une guerre avec des bombes à napalm, hein. Pas une guerre dans des camps. Où on n'a jamais retrouvé les preuves de ce qui est supposé avoir eu lieu, mais qui donne droit aujourd'hui à certains, à tant de privilèges par rapport aux autres. Privilèges qu'ils ne méritent absolument pas. Même s'ils ont beaucoup souffert, comme beaucoup d'autres, de la part de guerres qui ont été instiguées, fomentées, par les mêmes dont on a déjà parlé, les crypto-casas, et qui ont été décidés à l'avance. Hein. La troisième guerre mondiale a été déjà décidée, elle est écrite dans les livres, elle est écrite dans les courriers qu'il y a eu entre Albert Pike et Giuseppe Manzini. Albert Pike, 33e degré franc-maçon, fondateur du Ku Klux Klan. Giuseppe Manzini, chef de la mafia sicilienne, calabraise, je ne sais plus laquelle, une mafia. La loge P2, en tout cas. Quoi? La mafia et la loge P2? Le Vatican? Mais où tu vas? Mais oui, 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 on y va. On y est. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Les rois du false flag. On fait des trucs et on accuse les autres. Et on oriente l'histoire de façon à ce que ça nous serve.
Tu vaincras par la ruse, hein, je crois qu'il y a encore une armée qui a ça comme devise. Pour des guerriers, c'est normal, je dirais. Et pour des civils, c'est pas normal. Mais bon, on continue ou pas? Alors, c'est la lance de qui, ça? Ah, le lapin blanc! Ta-ta-da! Alors ça, c'est la surprise, il y a un lapin blanc là-dedans. Ah oui. Oh, ça doit avoir une signification ésotérique. Je suis bon or. Le X, c'est jamais bon. Hein. X, c'est pas bon. C'est un symbole du mal. Et hop, l'autre, c'est le rond, là. Hein. C'est quoi? C'est une bague? C'est quoi? Alors, elles sont béates. Alors, ils arrivent dans ce lieu qui est magnifique, et au lieu d'être habillés, alors là, moi, j'aurais mis une cravate. Même moi, j'aurais mis une cravate. Hein. Genre, ou en tout cas, j'aurais mis un costard, quoi. Sans cravate, peut-être. Mais, non, servette de main. Je viens de finir mon footing. Là, ça, c'était quoi, ça? Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Là, on a les deux, là. Elle est bien séduite, là. Hein? On a les deux. Là. Alors, voilà la bite et voilà le vagin. Et allez. Oh, ben, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Mais donc, c'est complètement primitif. Il n'y a pas que ça. Au niveau spirituel, tomber sur des symboles physiques, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Je trouve qu'il y a un truc qui ne me convient pas, en tout cas. Alors, voilà. Elle découvre le truc. Là, il y a un lotus au sommet. Je pense que c'est le clitolus. Enfin bon. Oui, l'air de rien. Et lui, là, on ne le connaît pas, on le voit, il l'appelle. Il y a aussi ça comme symbole. Je ne sais pas si c'est un symbole, mais bon. je vais arrêter un peu mes allusions. Je suis épaté. Et alors, fin de la vidéo, elle rentre en voiture chez elle, toute contente. Le pire, ce n'est pas vraiment ça d'ailleurs, c'est qu'en plus, il y a des membres de chez Alatra qui ont commencé à mettre les commentaires en disant « Waouh, c'est super, vivement la suite !» Vivement la suite. Mais ils la connaissent, la suite. D'ailleurs, je crois que ce soir, il y a eu en première une grande vidéo avec justement la présentation de la conscience artificielle. Ça n'existe pas, conscience artificielle. C'est comme un jeu de guerre, ça n'existe pas, ce n'est pas un jeu la guerre. Et la conscience, ce n'est pas artificiel. L'intelligence non plus, ce n'est pas artificiel. C'est des abus de langage, ces termes-là. Ils nous embrouillent. Ils nous embrouillent. Pas eux, hein. Ils. Pour intelligence artificielle, ce n'est pas eux, quoi. Bon, voilà, j'ai assez déblatéré, déliré, vous direz ce que vous voudrez. On va se quitter sur cette image-là où on voit donc la lance de Longinus. Mais c'est incroyable. Je trouve ça aussi horrible que les gens qui portent le Christ sur la croix. On adule finalement le symbole du sacrifice de la personne qui souffre, de l'humain qui souffre, enfin, de l'hybride qui souffre, hein. Oui, parce que le Christ, mère humaine, père non humain, hybride. Ce n'est pas le premier hybride, hein, il y en a d'autres. Hein. Regardez le crâne de l'enfant des étoiles, Starshield Skull. Regardez les tridactyles du côté de chez Nazca. Il y a des hybrides, il y a plein d'hybrides, depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ouais, ce qui est nouveau, c'est que la majorité des chrétiens ne se rendent pas compte que
Leur Jésus est un hybride. Alors, on lui attribue la conscience christique, mais c'est tout à fait différente. La conscience christique, c'est galactique, c'est quelque chose de spectaculaire. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il ne l'avait pas, non plus. Mais auquel cas, il ne faudrait pas oublier qu'il a dit « Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. » Et mieux encore, on peut faire mieux que le Christ. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont osé le mettre dans le livre. Les mecs, les humains qui ont écrit ça après et qui ont sélectionné les phrases qu'ils voulaient sélectionner et les acteurs qu'ils voulaient sélectionner, en enlevant toutes les actrices quasiment. Sauf Marie, à laquelle on a donné une ascendance très, très, très modeste par rapport à la réalité des choses, normalement. Oui, parce que toutes ces affaires-là se décident bien longtemps avant la naissance des gens, dans des lignées familiales, des lignées sanguines, et puis sans compter les interférences possibles, les infiltrations. Parce que c'est une lutte cosmique qui dure depuis des éons entre des clans cosmiques qui se débrouillent aujourd'hui pour continuer à se faire la guerre sur Terre tout en la colonisant avec des humains comme proxy et alors dans leur à leur détriment sans qu'ils le sachent en plus. Enfin, en gros, sans qu'ils le sachent. Puis, un dernier petit coup de fourchette, à propos de coup de fourchette, vous allez faire une messe et on vous dit « Buvez, ceci est mon sang. Mangez, ceci est mon corps. » Et il faudrait prendre ça soudainement de manière ésotérique, au figuré. Ah ben, je préférerais, hein, parce que sinon, c'est carrément du cannibalisme. Vous venez de ça, vous. Le représentant de votre foi vient d'être sacrifié, vous en buvez le sang et vous en mangez la chair. Ben, ça correspond tout à fait à ce qui se passait auparavant. Hein. À peu près. Chipotons pas, en tout cas, c'est du cannibalisme. Et ça, c'est du jus de grenadine. Hein. Non, c'est du jus de raisin. C'est en effet du jus de raisin. Il m'a l'air un peu fermenté, d'ailleurs. Bon, ben écoutez, je suis inquiet. On va dire ça, hein, inquiet. Ce décor est très bizarre. Le petit lapin blanc avec la tête coupée, c'est même pas un lapin entier, hein, c'est juste la tête du lapin. Avec une oreille dorée. Ça doit vouloir dire quelque chose. C'est les Chinois ou c'est les Japonais pour qui il y a l'esprit d'un lapin sur la Lune? Non, parce qu'on est très proche aussi des cultes lunaires. C'est une récupération totale, cette affaire-là. Puis ça ne me plaît pas du tout. Ce qui me plaît bien chez eux, c'est qu'ils n'hésitent pas à nous annoncer des avancées technologiques, des avancées même technologiques psy, humaines, le pouvoir de la télépathie, l'influence à distance, l'existence du 9e cercle satanique. Ils ont parlé de ce genre de choses. Ils font des recherches assez avancées en sciences diverses. C'est intéressant. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils nous amènent ça d'un côté et d'un autre. Ils veulent affilier tout le monde à une religion unique, commune. Sous un prétexte, une apparence d'union de tout ce qui unit les hommes. Le désir de paix. Ah oui, évidemment, l'amour, le désir de paix. Et la dévotion envers la divinité. Mais non.
Non, 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 j'ai besoin de rien ni personne pour faire une dévotion envers la divinité. Nous en sommes tous parcelles, fractales de cette lumière divine, à mon avis. On n'a pas besoin d'entreprise une de plus. Parce que ça correspond par contre à cet œcuménisme forcé qu'amène le pape aussi, réunion de toutes les religions. Ah ben bien sûr, on s'est fait massacrer en tant que chrétien depuis des milliers d'années. Ben, au moins 1000. Demandez aux Hongrois ce qu'ils pensent de la religion d'à côté, ou aux Bulgares, ou aux Russes, aux Hindous, aux chrétiens d'Orient, et de l'autre côté aussi, il y a eu des massacres, et bon. Et maintenant, il faudrait tous s'unir, alors qu'il n'y a pas deux personnes qui ont aujourd'hui la même opinion. Mais j'ai un problème là, que j'ai résolu. Je dis, toutes ces religions, ils sont issues d'un bouquin qui est une horreur, qui a donné lieu à d'autres bouquins qui ne sont pas beaucoup mieux. Le premier était déjà une copie d'une religion 5000 ans plus vieille. Moi, je pense qu'il y a Anguille sous roche. Et que Stanguille, elle a des tentacules. Genre. En tout cas, je pense que ça ne sent pas bon. Mais c'est mon opinion. Je dis bien, c'est mon opinion. Je vous mettrai les coordonnées de la vidéo, de cet extrait-là en tout cas. Ça s'appelle « Les créateurs de la première conscience artificielle au monde ». Les créateurs, ah bah oui, parce qu'en plus, c'est eux les créateurs. Ah ben, on peut se demander quelles sont les finances, les pouvoirs derrière eux. Hein. Bon, il doit y avoir quelques oligarques, c'est clair, mais il y a sûrement plus. Il y a sûrement des accords à un niveau qui nous dépasse pour l'instant. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Moi, je suis un petit peu choqué. Ben, je ne suis pas choqué. Je suis intrigué. Je suis très méfiant. Mais alors, méfiant. Puis surpris. La lance de Longinus. Mais je croyais qu'elle était dans un musée en Autriche, à Vienne ou à Linz. Ou à Salzbourg, je ne sais plus. Et que ça avait été un des butins d'Hitler qui avait été plus ou moins récupéré par Staline, donc. Et j'en suis pas sûr, d'ailleurs, qu'il l'avait récupéré, puisqu'il me semblait qu'il la cherchait encore. Ben, il ne la cherchait plus. Bonne nouvelle. Et l'anneau, là, je ne sais pas, avec son petit lotus au-dessus. Mais c'est incroyable, on est dans la spiritualité du troisième millénaire et on a encore des symboles tout à fait physiques et puis pas vraiment ragoûtants, quoi. Ragoûtant, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, pas vraiment glorieux. Je ne sais pas comment dire. Voilà, écoutez, mes hommages, bon courage, à très bientôt, gardez l'œil ouvert, les deux même d'ailleurs, hein. Sinon, on va interpréter ça bizarrement encore. Gardiez le troisième œil bien ouvert. Voilà. Celui-là, tout le monde là. Voilà. Ça dépend du nombre de j'allais dire picogrammes, mais je crois qu'on peut arriver au gramme de fluor, d'aluminium, de strontium, de barium qu'on a absorbé. Du nombre de. Est-ce que ça se compte en REM, le taux de fréquence électromagnétique qu'on a absorbé, du style 5G, 4G, 3G, Wi-Fi,
Bluetooth. Ah, parce que tout ça, ça nuit à un bon corps, à une bonne communication spirituelle. Ça nuit grandement, et puis c'est fait pour. On le sait que c'est fait pour. On sait qu'ils veulent nous affilier à la machine et nous empêcher d'avoir le contact direct. C'est évident. Ils n'ont aucune spiritualité. Pas eux, hein. Les pantins qui nous gouvernent et qui laissent se répandre ces technologies en douce, pendant qu'ils nous confinent de manière criminelle, détruisant toutes les économies, faisant oublier les affaires Epstein, le prince Andrew, les magouilles contre l'Ukraine, enfin, contre l'Ukraine, contre la Russie, par le biais de l'Ukraine, les magouilles en Ukraine, de Biden, l'adorateur des jeunes enfants, qui était quand même vice-président. Hein. Enfin, il était. Hein. Il perd la boule maintenant. Ouais, il finit plus ses phrases. Ben, comme plein d'autres, hein. Je ne sais pas si c'est l'abus d'adrénochrome ou autre chose. Aucune idée. En tout cas, il va mal. Hein. C'est tant mieux d'ailleurs. C'est pas trop tôt. Enfin, c'est opinion personnelle encore. Hein. Bon, je ne lui souhaite pas du mal, mais je n'y souhaite aucun bien. Je suis désolé. C'est carrément une pourriture. Lui, son fils, enfin toute la clique là. Mais pas que je lui souhaite du bien parce que c'est dans une religion qui dit « aimez vos ennemis ». Mais ça ne va pas, non ? Je sais bien qu'on a une conscience unie, quelque part, mais bien ailleurs, pas au niveau de la Terre. Hein. Pas qu'au niveau de la Terre, en tout cas. Et donc, il faut s'unir avec les dracos et tout ça, hein, du coup. Ah oui. Ah ben, il faut aller jusqu'au bout des choses. Si nous sommes tous un et universel, c'est universel. Hein. Ce n'est pas juste mon bled, juste mes copains, juste mon groupe. Non, 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 c'est le tout. Donc, il faut revoir un petit peu à quel niveau on réfléchit à ces choses-là, on va dire. Bon, j'ai un peu tout mélangé une fois de plus. Je crois qu'il y a de quoi, là. Je crois en plus qu'il y a urgence. Ben, ils sont capables d'influencer à distance. Si Poutine laisse faire, bon, ils sont en Ukraine, hein, vous me direz. Mais ils sont mondiaux aussi. Si Trump laisse faire, si Xi Jinping laisse faire, enfin, il a déjà acheté l'OMS, peut-être qu'il n'a plus de sous. Bon, vous avez vu finalement que ce virus, on finit par découvrir qu'il y a de la chivée dedans. Ouais, pour l'instant, ils ont trouvé une souche, eux. Ben moi, je disais qu'il y en avait au moins trois des souches, à peu près. Hein, à peu près. Et encore, personne ne parle de la souche synthétique, de biologie synthétique, qui réagit bien à la 5G. Alors, quand ils allument la 5G, paf, paf, paf. Vous voyez ? Ça stimule le virus. Quand ils l'éteignent, il semblerait qu'en Angleterre, dans les endroits où il y a beaucoup d'antennes 5G qui ont cramé, ah oui, il y a des gens qui font cramer les relais, là. C'est très bizarre. Hein. Le taux de personnes infectées au Covid-19 chute. Ce sera à vérifier comme information. Hein. Vérifiez ça. Ça m'intéresserait de savoir parce que ça tombe à pic dans mon raisonnement. Qui n'est pas le mien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je sens ça de sources diverses, dont certaines hyper fiables. Sinon, on ne louerait pas leur service à des niveaux de milliardaires. Voilà, à mon avis. Donc, je crois que je vous ai dit salut, bientôt, à bientôt, bon courage tout à l'heure. C'était avant mon encart. Voilà, voilà. Bon, elle n'est pas chouette cette image. On va s'arrêter dessus quand même. À très bientôt. Salut.